Et c'est parti les gars, on est avec Rigoberto, ouais pourquoi pas, voilà, hop, bonne chance. Voilà donc du coup là, on va envoyer notre géant direct, franchement c'est la meilleure des choses à faire pour l'instant. Si t'as ton géant dès le début, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc on envoie notre petit géant au niveau de la tour du roi. D'habitude j'aimais pas trop faire ça, mais c'est vrai que je me dis, bon bah ouais, certes il peut anticiper, mais il anticipe que dalle en fait le mec quoi. Il anticipe, mais pas tant que ça quoi. Ah, on va envoyer ça direct, quand vous voyez des barbares, direct Valkyrie. Hop là, donc là on va envoyer le chevaucheur de cochon à droite. Ce qui va nous permettre justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir, c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Ah, malheureusement. Bon, au moins on lui détruit un peu son truc de machin, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait déjà ça. Voilà, donc du coup c'est... Oh, regardez à gauche. Et du coup, nickel. Bah, il y a toujours un moyen, il y a toujours moyen de s'arranger de toute façon. Hein, soit ça part de gauche, soit ça part de droite. Ce deck est génial. Franchement, je vous assure, ce deck est... Enfin, génial. Peut-être pas à ce point-là, mais... Après, ça dépend contre qui tu tombes. Hein. Tu vas tomber sur une tour de l'enfer. Je peux te le dire que tu peux te le mettre là où je pense. Non, mais tu vas jamais y arriver avec une tour de l'enfer. Mais laisse tomber, quoi. Oh, c'est un truc de fou. T'as beau avoir des petites troupes ou quoi que ce soit, à la limite t'envoies une horde de gargouilles. C'est vrai que la horde de gargouilles, c'est vrai qu'elle peut faire le taf. Regardez-moi ça. Hop là, boule de feu. Ah mince, j'aurais dû attendre. Ah, j'ai été impatient. Donc une petite Valkyrie. On va envoyer des archers juste là, à droite, histoire de faire du taf quand même. On va envoyer à gauche notre cher chevaucheur de cochon. Ah bah du coup, je sais pas quoi faire du coup. Ah ouais, non là par contre je vais pas attaquer. Parce que le problème c'est qu'il y a plus les archers. Du coup il a plus moyen de défendre à droite. Le mec va se dire bah s'il envoie son cochon à gauche, bah je défends à gauche tu vois. Forcément ça me reste perplexe du coup. Mais là en attendant on fait du taf quand même. C'est génial. J'ai toujours pas testé d'ailleurs s'il avait... Oh, regardez moi ça. Ah ouais, pas de soucis gros, pas de soucis. Y a pas de soucis, regarde moi ça. Hop là, nickel, on se fait plaisir. C'est génial. Donc on va envoyer notre cher géant juste là. On va envoyer notre cochon juste là. Et puis on va envoyer ça ici. Et on va envoyer ça ici. Non, peut-être plus les archers. Hop là, on envoie les archers juste là. Nickel. Et on va voir ce qu'il fait. Tiens, même carrément avec des gobelins à lance aussi, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu fais mon petit? Alors, regardez-moi ça. La tour qui se fait target ou pas? Oh, il y a l'archer qui touche un peu la tour. Nickel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là lila lila lou. Attendez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc hop, nickel, voilà. Donc nickel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la petite boule de feu juste là. Nickel, le temps qu'elle arrive, boum, elle touche tous les machins. C'est génial, ce deck est génial, les gars. Ce deck est génialissime, c'est un truc de fou. Bon bah voilà, on a gagné, encore une fois, avec le time. Généralement, on va gagner grâce au time, hein, sur ce deck. Oh, mais ce deck, mais quand on l'utilise trop bien, il est génial. Voilà, donc c'était la première attaque de ce fameux deck. Voilà, donc je vous conseille, comme j'ai dit, hein, mettre le géant d'un côté, le cochon de l'autre, c'est nickel. Enfin, géant d'un côté, petite troupe et cochon de l'autre. Une fois que le géant sera bien avancé quand même, t'envoies le cochon à gauche, nickel quoi. Histoire de faire en sorte qu'en fait, qu'il défende le géant ou le cochon, tu vois. C'est pas les deux, il pourra pas forcément défendre les deux. Du coup, il défendra l'un ou l'autre. Et ça va permettre de toucher quoi que ce soit, soit la tour de gauche, soit la tour de droite. Ça finira par toucher quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment le meilleur moyen avec ce deck. Et il est génial, il est génial. Donc du coup, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque, c'est parti. Et c'est parti les gars, on est avec, je sais pas qui c'est, enfin bon, c'est pas très grave. Il est niveau 7 apparemment, donc ça fait plaisir. Hop là, donc comme d'habitude les gars, on commence direct, on envoie notre petit géant. Je pense qu'on va enlever la horde de gargouille, histoire de voir qu'est-ce qu'il donne. Ouais, non, je me dis d'un côté, il a du squelette. On va plus envoyer des fameux archers, ça suffira largement. Voilà, ça suffira largement. Du coup, je me tâte, là. Est-ce que je me tâte ou pas? Ouais, attendez. Boule de feu, hein, toujours serviable. Boum! Nickel. Voilà, donc cette fois-ci, on va envoyer notre fameuse horde de gargouille. C'est moi qui vous le dis, il touchera pas la tour, il touchera pas. Ah, mince, il touche. Oh, il touche pas! C'est génial. Franchement, là, on a trop bien fait. On a trop bien joué. Donc cette fois-ci, on va passer dans le punch. C'est moi qui vous le dis. Hop, on envoie le géant. On va envoyer le cochon à droite. Vous allez voir, ça va fonctionner, c'est obligé. S'il défend à gauche, ça fonctionne. Tu peux défendre un peu plus que ça, s'il te plaît. Ce serait génial.
Bon, c'est pas très grave. On va quand même envoyer le cochon à droite. On va voir ce qu'il donne. Voilà. Ça donne ou pas? Ça donne. Ça donne. Ça donne, Max. Ça donne, Max. C'est génial. Eh, les gars, c'est vraiment génial. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va pas... envoyer de boules de feu. On va envoyer juste des troupes. Oh là là, regardez la Valkyrie à droite. Oh, putain. Ce deck est génial. Bon, on va pas non plus prendre de risques. Hein. On va aller voir direct la deuxième tour. On va pas prendre de risques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Ah, je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer un truc, les gars. Alors, déjà, on va essayer d'envoyer une petite horde de gargouilles direct. Voir ce qu'il dit. Voir ce qu'il fait, le petit... Ah, sorcier intelligent. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Et ouais, carrément. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le petit géant. Je vais envoyer le petit géant. Je vais envoyer, regardez, les archers. Je vais envoyer les hordes de gargouilles, juste là. Hop là, nickel. Regardez-moi ça. Nickel, est-ce qu'elle touche? Est-ce qu'il touche? Il touche pas, il touche pas. Et regardez-moi ça. J'envoie sur le côté ça. J'envoie les hordes de gargouilles juste là, parce qu'il vient de tirer de toute façon ses flèches. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc j'envoie les boules de feu juste là. Normalement, ça touche tout le monde. Ah, j'ai vraiment été con. Mais l'autre, il a été poussé par le chaucheur de cochon aussi, là. Tu sais, l'excuse et tout, c'est... Donc, on va envoyer ça, on va envoyer ça. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas très grave. Ça arrive, hein, des fois, on fait un peu n'importe quoi. Et franchement, jusque-là, mais on est bien, quoi. Oh, on est trop, trop bien. Regardez-moi ça, il touche presque pas la tour. Là, on va envoyer notre horde de gargouilles direct. Regardez, en plus, il tire les flèches à gauche, là. Mais nickel, t'avais oublié que j'avais une horde de gargouilles, mon gars. T'as complètement oublié. C'est parti, on envoie le chevaucheur de cochon. Regardez, en plus il défend à gauche. Il y a le chevaucheur de cochon à droite qui arrive. Et on va tout défoncer. Malheureusement, on n'aura pas le tour. Mais c'est pas très grave, on a encore une fois gagné. Bah ouais, gros, mais qu'est-ce que je te dise, moi. Eh, d'ailleurs, je t'ai pas dit bonne chance dès le début. Mais enfin, bon, c'est pas très grave. Franchement, ce deck. Ah, il suffit de l'utiliser comme il faut. Et il peut faire du taf. Il peut faire vraiment du taf. Oh là là, j'aimerais bien perdre une fois au moins. Je vais essayer de vous mettre un gameplay où je perds. Si j'y arrive pas, bah je vous dirai, bon bah je suis trop fort, désolé, désolé. Non mais bon, franchement ce deck est génial. C'est un truc de fou. Ouais, c'est parti les gars, wow, wow, wow. On est sur l'arène 6 là, hein. Ah ouais, et pourtant je suis qu'à 1580 de trophées, mais c'est pas très grave. Donc on avait quelqu'un qui a arène 6. Donc c'est parti, on envoie du géant. On va envoyer la horde de gargouille, je pense qu'il aura les flèches, hein. C'est quasi obligé. Qu'il ait les flèches, normalement, hein. Bah sinon c'est qu'il y a un problème. Donc on va quand même tester au cas où, on sait jamais, hein, des fois ça peut valoir le coup, hein. T'envoies les flèches et puis ça peut vite valoir le coup. Donc c'est parti, on envoie la horde de gargouille. Après il a peut-être du sorcier, il a peut-être toute autre chose. Voilà, donc il a les flèches, c'était obligé. Donc du coup on peut pas envoyer notre chevaucheur de cochon de gauche, parce que de toute façon il va mourir. Donc ce qu'on va faire, envoyer la boule de feu juste là. Hop, boum, hop là, nickel. Franchement, on se fait plaisir. Est-ce qu'elles vont toucher la tour? Normalement, oui. Normalement, elles touchent la tour. Je sais quoi, je vais être ambitieux. Je vais envoyer mon chevaucheur de cochon juste là. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Est-ce que ça va? Ouais, on va dire que c'est déjà bien. On va envoyer ça, Franchement, jusque là, on se fait plaisir. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est génial. C'est génial, on se fait vraiment plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Bah, tu sais, on est obligé, hein. Les archers, hop là. Ah, quoi? Les archers qui ont pas été... Ah, ça, c'est pas bon, ça. On commence mal. On commence très, très mal. Ouais, j'avais oublié de dire bonne chance, malheureusement. Donc, je pense que je vais perdre. C'est possible. Donc, je mettrai sûrement ce gameplay. Déjà, on commence mal. On commence très, très mal. Alors, cette fois-ci, on va... Ah, mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai vu qu'il y avait ça là-haut, là. Ah, et je sais pas jouer, les gars. Ah là 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 là. Je réfléchis pas assez, là, malheureusement. Bon, on va quand même essayer. On va envoyer de la Valkyrie. On va envoyer... Oh, une boule de feu juste là. On envoie le cochon juste après. Allez, 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 allez. Meurs. S'il te plaît, meurs. Ça peut être que bien, On envoie le cochon, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Ah, il va te défendre, hein. Il va le défendre, mais on sait jamais. Ouais, ça va, ça va. On va dire que ça va, c'est plutôt pas mal. On va envoyer la horde de gargouille juste là. On va envoyer ça. Est-ce qu'il va le prendre? Ah, malheureusement. Malheureusement, il prend la tour. Malheureusement, c'est pas très grave. On envoie la boule de feu juste là. Ah là là, c'est vraiment dommage, quoi. Bon, vous savez quoi? On va quand même y arriver. Hein. On va pas se laisser faire. On va y arriver, On va envoyer du géant. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer ça déjà. Ce sera déjà ça de fait. On va envoyer ça. Ah là, je vous assure que là, je suis pas en très bonne posture. On va quand même essayer d'envoyer du chevaucheur de cochon à gauche. Est-ce que ça peut donner quelque chose de bien?
Chevauchure de cochon à gauche. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. C'est pas génial. C'est pas génial. Oh, si, quand même, c'est génial. C'est plutôt génial au final. On va essayer quand même d'envoyer. On va essayer d'envoyer. Ah là là, malheureusement, on a perdu. Ah là là, ouais, bah ouais, j'ai perdu. Bien joué, bien joué. Bon, t'es niveau 9 aussi, c'est sûr, hein, mais bon, malgré tout, bien joué, bien joué. Faut dire aussi, j'ai mal joué. Hein. Ah, franchement, j'ai mal joué. J'ai. Waouh. Ah, j'ai très mal joué. J'ai mal joué là. Ah là 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 là. Comment dire? On va dire que le j'ai mal démarré. J'ai mal démarré en envoyant mon géant à droite alors qu'il fallait que je l'envoie à gauche parce qu'il y avait les gobelins à lance. Si t'as des troupes qui défendent à gauche, t'envoies ton cochon, c'est limite mort. Donc c'est ça qui a pas été bon. Pareil, j'ai recommencé un moment. J'ai mis mon géant à gauche alors qu'il y avait les gobelins à lance à droite. J'ai vraiment pas bien fait. Voilà, bon, c'est pas très grave, ça arrive. C'est voilà, une petite défaite. Je vous avais dit que j'essaierais d'avoir une défaite, j'en ai une. Je n'ai pas fait exprès, hein. Non, j'aime pas trop perdre, tu vois. Donc je pense pas que je ferais exprès de perdre. Mais ouais, quoique du moment où tu fais exprès de perdre, je pense que tu t'en fous un peu. Mais bon, malgré tout, voilà. Franchement, ça fait une petite attaque sur l'arène 6. Malgré que j'étais à 1580 de trophées, ça fait plaisir. Voilà, donc franchement, c'est cool. On s'est fait des bonnes attaques avec ce deck. Donc là maintenant on est à combien? Du coup maintenant on est à 1558, bah, ça fait vraiment plaisir. Oh, ce deck est franchement il est bien. Regardez-moi ça. Ouais, j'ai réussi à... Oh, ils sont déjà à 428 quoi, ça vient de commencer il y a pas longtemps. J'ai toujours pas attaqué d'ailleurs dans mon truc, mais bon, j'essaierai d'attaquer avec ce deck. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Enfin bon, en attendant moi je vais aussi sur ce. On s'est fait trois petites attaques, donc deux attaques où j'ai gagné de ouf. Une attaque où j'ai perdu, parce qu'il faut bien une attaque où on perd quand même pour voir un peu le délire. Et puis voilà, donc c'est plus parce que j'ai mal joué, parce que... Ouais, c'est plus parce que j'ai mal joué. Oh, il a pas tiré sa truc, là. Je crois pas, hein, je l'ai pas vu, je crois. Hein. Enfin, bon, ouais, donc c'est plus parce que j'ai mal joué que parce que... il avait des troupes qu'il fallait pas. Parce que là, au niveau des troupes qu'il fallait pas... Enfin, je suis désolé, mais bon, hors de gargouille, ça va, on a de quoi défendre. Ça, bon, on a largement de quoi défendre. À la limite, peut-être barbare. Ou c'est vrai que là, le truc comme ça, là, le truc qui envoie des barbares régulièrement, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Mais finalement, ça va. Ça, bah, avec la boule de feu, ça part vite, hein. Ça, pareil, pour les barbares, ça passe bien. Enfin, ouais, non, c'est moi qui en ai, mais ça, pareil, c'est plutôt simple à tuer. Donc, ça va, finalement, il n'a pas des troupes non plus trop contre nous. Donc, c'est vraiment parce que j'ai mal joué. Mais c'est pas très grave. D'ailleurs, il a aussi très bien joué, d'ailleurs. Et puis, voilà, donc, en attendant... Ah, il y a peut-être un truc qui gêne un peu, c'est lui. C'est lui par rapport au cochon, ça gêne un peu. Donc j'ai fait n'importe quoi par rapport à ça, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, je pense que je vais essayer sur ce. Un petit deck, je vous le conseille, essayez-le, pourquoi pas. Essayez-le, ça peut donner quelque chose de bien. Et puis voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.